le haras du Pecos, Patrick Dazac. Il jette un œil sur son poulain. C'est un mâle, un fils de Clôme. Et Falanour du Pecos, il est nommé Foxy du Pecos, donc il est présenté par le haras du Pecos. Donc il faisait la route jusqu'à cette année au haras de l'abbaye. La mère Falanour du Pecos était déjà aidée au haras du Pecos. Elle a déjà produit Fairfax du Pecos, un fils de Sunshek qui était à l'entraînement chez XCL, chez Xavier Thomas de Léo, qui est désormais en Corse. Elle a également produit Framboise du Pecos, qui est à l'entraînement chez Stéphane Richard Simon. Et c'est son cinquième produit, Foxy du Pecos, qu'on voit actuellement au trot. Un bel azan, un fils de Clôme. Et on redemande, s'il vous plaît, de marcher. Un petit aller-retour, s'il vous plaît, au pas. Un petit aller-retour, s'il vous plaît, au pas pour pardon. Alors sachez que la mère a été saillie par Fairfax du Pecos cette année. Et la mère est une sœur de Frisson du Pecos. Frisson du Pecos, ce fils d'Azan qui a saillie 5 ans de jument cette année au haras de l'abbaye. Un record pour d'autant plus pour un anglo à 50%. La mère Falanour du Pecos est également une sœur de Fax du Pecos, Family, Fidelio et Ferdi du Pecos. Bref, une des plus grandes origines de Patrick Dazac.